Sylvie Vartan, Sarah Vicente, fille d'Arina Scotti Loquet Léopard, La Belle Vie à Los Angeles. Si Ilona Smet et Emma Smet vivent en France, leur célèbre tante d'Arina Scotti. Elle est à des milliers de kilomètres aux États-Unis. À Los Angeles, la fille de Sylvie Vartan. Adoptée par la chanteuse et le producteur américain Tony Scotti en Bulgarie en 1998. Semble plus qu'épanouie. Sur Instagram, où elle est suivie par plus de 30 000 abonnés. La demi-sœur de David Hallyday partage quelques instants de son quotidien, et notamment ses looks. Elle qui est férue de mode. L'un des derniers en date, un pantalon au motif léopard porté avec des baskets à plateforme buffalo, et un manteau beige. Ce lundi 30 janvier, Darina Scotti a décidé de poster un carrousel de photos illustrant quelques souvenirs de ses derniers jours. Celle qui se fait appeler @puvdd sur Instagram a visiblement adoré ses moments privilégiés en compagnie d'une de ses amies. Romy, comme elle le précise en légende, mes jours préférés sont ceux passés avec Romy. Écrit-elle. On découvre la fille de Sylvie Vartan, âgée de 25 ans, en train de peindre. Profitant des joies d'une brocante, jouant au backgammon, ou encore se promenant de downtown à Los Angeles. On peut aussi voir la tante d'Ilona et Emma Smet avec un chien. Et les abonnés de la jeune femme sont fans. Je t'aime aussi, partage son ami Romy. Darina et Sylvie Vartan ont une connexion indéniable. Le 15 août dernier, la jeune fille ne manquait d'ailleurs pas d'en témoigner. Sur Instagram, elle a alors partagé une belle photo de sa mère plus jeune, à l'occasion de ses 78 ans. En lui adressant un adorable message. Joyeux anniversaire à la plus belle, la plus gentille. Et à la plus aimante des mamans, je t'aime de tout mon cœur, a écrit Darina Scotti. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et pour ceux qui t'entourent. Merci d'être une maman exceptionnelle. Merci de m'avoir choisie. I love you. Guillaumet. Adoptée à l'âge de 7 mois par l'icône des années yéyé, et le producteur américain Tony Scotti en Bulgarie en 1998. Elle a bien grandi depuis et semble vivre sa best life aux US. Au sujet de son adoption. L'ex de Johnny Hallyday est plutôt radicale, elle n'aime pas parler de ce statut. J'ai voulu mon fils et je l'ai voulu elle. C'est la même démarche. Et ça m'insupporte qu'on dise ma fille adoptive. Darina est ma fille. Un point c'est tout. Adoptée, biologique ou née sous PMA, on ne classifie pas un enfant. Il n'y a pas de sous-enfant. Pas de graduation dans l'amour qu'on lui porte. Virgule avait-elle fait savoir, ferme.